La mobilité physique est l'essence même de cette action clé 1. Et puis mobilité virtuelle, puisqu'elle permet de développer plein d'autres compétences, telles que des compétences numériques, des compétences sociales, qui sont aussi très recherchées par nos employeurs aujourd'hui. Mobilité physique, même si les mobilités virtuelles dans ces temps de crise sanitaire sont vraiment à privilégier, mais rien ne remplace la rencontre, la vraie rencontre, le fait de voir les gens, de discuter, d'échanger pour de vrai, autour d'un, voilà, même autour d'un café, autour d'un repas, beaucoup de choses qui se passent dans ces moments-là, et ça, on ne peut pas le remplacer. On peut faire de la mobilité virtuelle. D'ailleurs, c'est un élément qui fait partie de la nouvelle programmation 2021-2027. Alors, on pourrait tout à fait l'envisager soit avant une mobilité physique, pour par exemple prendre contact avec les tuteurs d'entreprise et puis avoir une connaissance, par exemple dans un contexte de crise sanitaire, une connaissance de l'entreprise et commencer à préparer sa mobilité physique. Donc c'est toujours un atout.